Cette semaine, on a décidé de présenter les initiatives du territoire sur le réemploi et la réduction des déchets. Et aujourd'hui, on présente un certain nombre d'initiatives, de projets de recyclerie du territoire. On n'a pas pu tous les présenter parce qu'il y en a beaucoup et que la journée fait que 24 heures. Non, du coup, on en a présenté juste quelques-uns. Et aujourd'hui, on accueille Anne, qui est une des trois fondatrices du projet Recycle et Toc de l'Art, donc qui est un projet de costumothèque et de réemploi des tissus usagés qui est basé à Bayonne. Donc, je vais laisser la parole à Anne pour qu'elle se présente et qu'elle présente le projet de Récup et Toc de l'Art. Merci, Anne. Merci, bonjour. Donc notre projet Récup et Toc de l'Art, c'est récupérer les textiles pour le transformer ensuite. Alors, notre association nous avons fait 2016. Au début, c'était vraiment qu'avec des bénévoles et c'était suite à une visite d'une des bénévoles dans une recyclerie qui existait en Rhône-Alpes, où ils faisaient ça. Donc, en fait, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'ils faisaient. Ils allaient chercher des déchets propres dans les industries de Rhône-Alpes. Et donc, qu'est-ce qu'un déchet propre? C'est une matière première sous forme de chute. Et ces chutes, normalement, partiraient en déchetterie. Bon, ça peut être aussi des fins de rouleau. Et ces déchets propres étaient stockés dans un entrepôt sous forme de magasin. Et les adhérents pouvaient venir les chercher en échange d'une participation à la collecte. Chaque déchet en fait avait son tarif. Par exemple, pour le textile, il s'agit de 3 euros le kilo. Bon, nous, on est en train de modifier un petit peu parce que lorsque ce sont des grandes chutes, ça fait vraiment, on pense l'augmenter. On collectait du cuir, on collectait du carton, on collectait alors des très beaux cartons de chez Arteis, on collectait du plexi, du bois, etc., etc. Et à l'époque, on le mettait dans un garage sur Saint-Pierre-d'Irube. Et avec ces déchets propres, on proposait des ateliers pour transformer les matières, donc soit sous forme d'ateliers participatifs, soit dans le cadre d'animations tout public. Donc là, vous voyez quelques exemples de ce qui a été fait au cours de ces ateliers. On voulait vraiment viser le parent-enfant. C'était vraiment notre objectif. Donc voilà, des châteaux en carton, des étiquettes, des lingettes, des marionnettes. Voilà. Des ateliers extrêmement créatifs et intéressants. Ensuite, quels étaient nos objectifs? Réduire nos déchets, bien sûr, proposer des articles pour aller vers le zéro déchet, utiliser la ressource collectée. Alors, on avait un objectif qui nous tenait vraiment à cœur, c'était favoriser le fait main, la créativité et l'imaginaire chez ceux qui participaient à nos ateliers. Et voilà, puis en plus, lorsqu'on voit les adhérents qui sont artisans venir chez nous, ils viennent généralement plusieurs fois parce que ça leur permet de créer à moindre coût, en fait. En janvier 2020, on a décidé de professionnaliser l'association qui ne fonctionnait donc qu'avec des bénévoles et on s'est installé au 5 rue Douer à Bayonne. On a trois mécènes qui nous ont offert pendant un an. Donc, ça nous a permis de bien commencer et de voir si notre projet en fait fonctionnait. Alors, pourquoi une costumothèque? Parce que le costume est un moyen incroyable de créativité. Il y a moins de pression autour de la création couture et surtout vis-à-vis de nos ateliers, ça permettait d'aller plus loin dans l'imaginaire, en fait. Voilà. La costumothèque, actuellement, nous avons à peu près une cinquantaine de costumes à louer. Nous continuons à en créer et nous devions avoir avec des personnes qui font du théâtre un atelier un petit peu art-thérapie avec l'utilisation des costumes. Tout cet ensemble de choses qui devaient se réaliser dans le local qui n'a pas eu lieu à cause de la situation sanitaire.
Voilà, donc les gens viennent aussi dans l'atelier coudre ensemble. Donc là, ce sont des photos qui sont un peu anciennes. Depuis, nous avons augmenté le nombre de machines à coudre. Et nous avons donc des ateliers participatifs, en fait. Voilà, et nous avons de plus en plus de dons en nature de particuliers, ce qui nous permet d'augmenter le nombre de textiles que nous avons dans le local. Lorsque nous avions collecté du bois, nous avions fabriqué des jeux en bois. Nous en avons 16, dont certains qui sont coopératifs, comme celui que vous pouvez voir sur la troisième photo. Ces jeux en bois nous permettaient de créer des journées familiales. Donc, il y avait des possibilités de faire également... c'était aussi pour nous une grande ressource financière puisque nous les louions donc dans des fêtes d'école, dans certaines journées événementielles comme par exemple la journée en dit loisirs. Voilà. Ces jeux en bois, lorsque nous sommes arrivés sur la place Monteau, tous les troisièmes samedis du mois, nous installons les jeux en bois sur la place Monteau et nous proposons donc aux familles de venir jouer. Nous avons des joueurs d'échecs qui nous ont rejoints, joueurs d'échecs de l'aviron bâillonné. Et il y avait aussi les créateurs recycleurs qui exposent certains articles dans notre local qui venaient. Alors, malheureusement, on a réussi à faire deux de ces journées, en août et en septembre. Ensuite, on nous a demandé de ne pas les faire. Et là, on espère pouvoir faire la dernière le 19 décembre, mais on n'est pas sûr. Et pour l'année prochaine, on a déposé un dossier auprès du budget participatif 64, mais on ne sait pas du tout si ça pourra malheureusement avoir lieu. Voilà, mais c'était des belles journées où on valorisait vraiment le jouer ensemble, le faire ensemble. Où est-ce que nous en sommes? Donc, en fin octobre 2020, nous avons 82 adhérents, patron tech aussi. Nous avons beaucoup de passages. Cet été, nous avons énormément de touristes qui sont passés sur cette place Monteau. Donc, ça permettait d'avoir un échange sur qu'est-ce qu'une recyclerie. Alors, est-ce que nous sommes vraiment une recyclerie? Ça, je ne sais pas. C'est un autre débat. Mais qu'est-ce que c'est quelle était notre démarche, en fait, donc d'essayer d'utiliser des textiles dont plus personne ne sait quoi faire. Voilà, nous devions partager aussi notre local avec d'autres associations. On avait beaucoup de fréquentation dans les ateliers de couture. Actuellement, nous avons deux élèves, deux stagiaires du lycée Ramiro Arué qui viennent, donc je vous montrerai les deux costumes qu'elles viennent de faire. Et une élève en CAP couture de la Chambre des métiers de l'artisanat de Bayonne, donc qui viennent pour en fait, elles sont stagiaires et elles viennent fabriquer, concevoir pour la costumothèque. Voilà. Au cours de cette année, malgré toutes les périodes de confinement, on a quand même 325 kilos de tissus qui sont sortis du local. Certains ont été donnés à la demande des associations. On a fait aussi beaucoup de masques au moment des masques. Ça a été. Enfin, on en a beaucoup donné aussi. Et ensuite, alors, nous aujourd'hui, on a des soucis puisqu'on ne peut plus assurer le loyer à compter de mi-janvier 2021. Donc aujourd'hui, on se dit qu'on va essayer de stocker la costumothèque et un certain nombre de tissus en attendant de trouver une solution. Nous sommes à la recherche d'un nouveau local, si jamais quelqu'un a des pistes. Mais bon, je crois que nous sommes très nombreux sur le BAB à chercher un local. La costumothèque, ça représente donc voilà quelques photos de tout ce qui a été réalisé cette année. Ça représente des costumes qui sont moi je trouve personnellement assez beaux, finis. Le travail est enfin on essaye de faire un joli travail et ça a chaque fois donné lieu à des beaux échanges. Les costumes les jeunes stagiaires du lycée Renoir-Ruy, ce sont les deux. Des rideaux de brocart magnifiques qu'on nous a donnés et dans des rideaux de velours. Voilà, donc je vous laisse prendre la parole si vous avez des questions. J'espère avoir été assez claire. Merci. Merci Anne. Et du coup, juste pour préciser, concrètement, nous, on peut venir au local
pour acheter du tissu au kilo, pour louer des costumes ou pour prendre des cours de couture ou de comment dire d'atelier manuel? Ça, tout à fait, c'était ça lorsque l'atelier était libre. Là, je ne sais pas trop ce qu'on a le droit de faire à partir de. J'ai pas tout compris. À partir de samedi, je pense qu'on a à nouveau le droit de recommencer à le faire. Je pense qu'on réorganisera une braderie pour faire partir un peu plus de tissu. Mais là, pour l'instant, nous, notre perspective à nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va de... enfin, où est-ce qu'on va déménager la costumothèque, surtout. Le projet initial, c'était d'avoir ces trois volets, en fait. Tout à fait, c'était une sorte de... Enfin, après, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un tiers-lieu, mais c'était une sorte d'endroit où on pouvait prendre de la matière, on pouvait venir travailler un projet. Il y a certaines personnes qui sont venues avec un projet et qui nous ont demandé de les accompagner en couture dans leur projet. D'accord. Et sinon, il y a aussi des patrons, possibilité d'échanger. Enfin, on voulait vraiment en faire un lieu vivant autour de la couture et des textiles. Alors, il y a Sylvie qui demande si vous avez un site web et comment on peut adhérer à l'association. Alors, pour adhérer à l'association, on peut adhérer par Hello Asso ou en venant. Le site web, on en avait un qu'on a été obligé de fermer et on est en train d'essayer d'en refaire un, notamment pour les costumes. Et sinon, on a une page Facebook et une page Instagram. C'est vrai que j'aurais pu le mettre, je suis désolée, j'aurais pu le mettre dans ma présentation. Je vais le rajouter après. Je vais mettre le lien à l'OASO dans la conversation. Oui. Et alors, Le petit lien, je ne sais pas comment on fait ça par contre, je suis désolée, je suis pas une. j'ai mis le lien pour l'OASO D'accord. dans le chat. Et alors, peut-être que vous pouvez préciser comment vous en êtes venu à vouloir créer une costumothèque et comment est né le projet? Alors, la costumothèque elle-même vient, je dirais, du fait que nous aimons. Nous costumer. Enfin, je pense que c'est pas. Enfin, le costume permet, d'un point de vue tout ce qui est art-thérapie, le costume permet de se transformer et d'aller plus loin. Après, on a eu aussi une demande, on a eu des demandes aussi de troupes de théâtre qui ont fait qu'on a confectionné des costumes à partir de Lycra notamment. Mais c'est vraiment enfin, c'est vraiment à la base tout ce que représente le fait de se transformer et donc de permettre à d'autres de venir les louer. Après, je ne vous cache pas aussi que c'était pour offrir une offre, je suis désolée, je parle très, enfin, bon, ouais, pour avoir une offre qui allait non pas en concurrence, mais qui était. Par rapport à tous ces magasins de C'est la fête où en fait vous allez acheter des choses qui généralement ne durent qu'une seule fois. L'idée de la costumothèque, c'était aussi d'avoir un stock suffisant pour permettre à des gens non pas d'aller vers des magasins où ils achètent des costumes, mais d'aller vers nous où on vient chercher quelque chose. Qu'on ne garde pas chez soi, qu'on utilise, mais que d'autres vont utiliser après. Enfin, je ne sais pas si je suis claire sur la démarche que nous avions. Acheter un costume pour l'utiliser une fois, mais du coup, c'est le louer pour que quelqu'un puisse l'utiliser par la suite une deuxième fois. Tout à fait. C'est aller vers de la location. Après, on avait mis tout un système de points en marche, parce que des gens sont venus nous donner des costumes qu'ils avaient chez nous, dont ils ne se servaient plus. On a eu aussi beaucoup d'écoles de danse qui sont passées parce qu'on a eu on a beaucoup de lycra dans nos textiles et le lycra est très facile à utiliser pour des écoles de danse les élèves sont vraiment à l'aise. Et donc c'était aussi l'envie, c'était aussi de mutualiser tout ce que possèdent les écoles de cirque, les écoles de danse, tout ce qu'elles possèdent pour éviter que chacun stocke
Et chaque fois se retrouve obligée de recréer, alors qu'on peut mutualiser les ressources que tout le monde a. Donc c'était pour ça qu'on avait envie en fait de faire un vrai site internet pour aller mutualiser ce que chacun a et ce que chacun peut prêter à d'autres. Voilà. La main, si tu veux désactiver ton micro, poser ta question. Alors, je suis désolée, j'entends que quelqu'un parle, mais je n'entends pas. Tu viens de me donner la parole, Mathilde? Oui, je t'en prie, En vas-y. t'entendant de très loin. Mais Avance. bonjour à tous et à toutes. J'ai bien entendu que vos problématiques en termes de locaux. Nous, à l'heure actuelle, on est en train de finaliser un dossier justement pour demander des très grands locaux. Et je me pose la question de vous, vous auriez besoin de combien de mètres carrés en termes de stockage et en termes d'atelier? Actuellement, on a 35 mètres carrés. On a construit une mezzanine pour augmenter. Et on se marche assez souvent dessus, mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Mais effectivement, je pense que si on pouvait avoir 50, on serait vraiment à l'aise. Parce que là, les costumes, on a du mal à les stocker. Après, je pense que si c'est sous forme d'atelier partagé, il pourrait y avoir dans un coin la costumothèque avec tous les costumes, mais dans une pièce fermée, parce que je me méfie beaucoup du soin que peuvent apporter certaines personnes, malheureusement, à des choses qui sont en libre service. Donc, avec pas une surveillance, mais un petit peu quelqu'un qui est plus ou moins quand même responsable. Mais après, les machines, ça pourrait très bien être dans un lieu plus grand partagé. Enfin, je ne sais pas comment vous concevez le futur hyper café pour lequel vous cherchez les locaux. Mais les machines, nous, on peut vous les mettre à disposition. Enfin, vous voyez, ce sont deux choses différentes. Autant les costumes, je trouve que c'est dommage parce qu'il risque d'y avoir des choses qui vont être perdues, qui vont être abîmées. Autant les machines à coudre, bon, ça peut faire partie d'un autre projet, d'un projet plus grand. Ben, j'espère que j'ai été claire, Sean. Ouais, c'est très clair. Et alors nous, c'est en fait un projet plus grand qu'on est en train de concevoir là. En fait, qu'on est en train de co-concevoir. Et si ça t'intéresse, je te propose qu'on se cale un moment, une réunion entre Compagne Choco et Récupé Toc de l'Art pour en parler plus en profondeur par la suite. Oui, volontiers. Et à la rigueur, passe voir un avant qu'on ferme pour avoir une idée visuelle de ce que ça peut représenter. Vous fermez quand? 8 janvier. D'accord, j'en parle aux autres et ça marche. On revient vers toi Ok. rapidement. Impec. Oui, j'ai oublié de vous dire, on avait aussi tout un projet d'atelier parents-enfants qu'on a commencé à mettre en place donc début octobre. C'était au niveau de la place Montaud et on devait le faire aussi ailleurs. Bon, c'était toujours pareil, château en carton, enfin voilà, marionnettes, des masques en carton, mais là c'était plus des ateliers faisons ensemble en fait. Voilà. Et ça c'est. Ce sera à mettre en place après. Mais oui, Mathilde, je pense qu'on peut arrêter avant, non? Si il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, d'accord. Je crois qu'il y a des problèmes avec le son. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions sur le projet de Costumothèque? Donc, s'il y a des gens intéressés, Anne, ils peuvent vous contacter par mail ou par le Facebook? Comment ça se Oui, passe? alors je suis en train de mettre le mail.
sur la conversation. Je peux mettre mon numéro de téléphone. Effectivement, on a un Facebook qui est Récup et Toc de l'art. Voilà. Mais c'est vraiment, enfin, on trouve ça dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Après, c'est vraiment la période qui fait qu'on a été autant en difficulté. Mais c'est vrai que moi, quand je vois le bilan que je vais faire de cette année, il est très positif. Il y a eu des nouveaux bénévoles qui sont venus, qui étaient intéressés par justement coudre dans une autre perspective. Et on a eu de plus en plus de dons volontaires, parce que ça, j'ai oublié de le dire, oui, je suis désolée, dans ma présentation, mais on est allé démarcher en fait auprès d'un certain nombre d'entreprises qui nous ont donné donc des fins de stock. On a été aussi chez une entreprise à Pouillot qui fait de la découpe numérique. Voilà, donc on a aussi toute une partie où on va à la recherche de textiles, et on a toujours été extrêmement bien reçus par les entreprises qui étaient ravies de savoir que ces textiles, au lieu de simplement partir en déchetterie, pourraient être réutilisés. On a d'ailleurs eu des personnes qui ont reconnu certains de leurs textiles et qui nous ont dit que ça leur faisait grand plaisir, et qui m'ont recontacté en me disant « on vous en a remis de côté ». Parce qu'on avait déposé des immenses pochons en tissu qu'on avait fabriqués dans certaines entreprises, et c'était des entreprises qui nous les remplissaient. Voilà. Donc après, ça donne beaucoup de petites chutes, mais on a eu quelques… Enfin, voilà, on a des gens qui viennent et qui cherchent à réutiliser ces chutes-là. Est-ce qu'en France, il y a d'autres projets similaires aux vôtres qui se sont développés? Alors, de plus en plus sur le textile, il y a des très, très beaux projets, des personnes qui ont vraiment créé des très, très, très jolis vêtements à partir de fins de rouleaux. Il y a les récupérables, il y a un autre projet aussi, alors je ne me souviens plus du nom. Mais là, on est vraiment dans de la fabrication vestimentaire plus. Après, nous, on avait aussi envie de développer un projet de transformation de vieux vêtements. Des vêtements qu'on ne met plus chez soi, on peut très bien aussi les transformer, soit en les customisant, soit en faisant quelque chose de nouveau. C'était notre deuxième, en fait, c'était notre deuxième volet après. Mais ça, on n'aura pas eu le temps de le réaliser pour l'instant. Mais ça aussi, ça existe déjà sur le territoire. Je trouve qu'il y a de plus en plus de belles énergies comme ça autour du textile, justement. Il y a d'ailleurs tout un projet avec l'école Estia autour justement de comment faire pour avoir, pour utiliser différemment le textile. Pour résumer, le projet, il est, pour l'instant, il est un peu mis en pause à partir de mi-janvier, jusqu'à ce que vous trouviez des nouveaux locaux. Tout à fait. D'accord. Et après, pour moi, j'avais une question par rapport un peu aux freins concernant donc votre projet en particulier. Mis à part le frein concernant la recherche d'un local, quelles sont les autres difficultés qui vous ont un peu barré, entravé la route, si on peut dire ça? En fait, c'est un peu compliqué. Nous, là, vraiment, nos difficultés, elles viennent du fait que les ressources sur lesquelles nous nous comptions lorsque nous avons monté ce qu'on appelle le business plan, là, on ne les a pas eues. On ne les a pas eues, mais elles étaient prévues. C'est-à-dire qu'on avait des devis, on avait tout était prévu, et simplement pour avoir une idée, entre mars et juin, nous, on a eu 2 500 € qu'on aurait dû, pour des événements, pour des locations de jeux en bois, etc., qu'on n'a pas eu. Alors, nous, notre difficulté première est qu'on n'est pas encore une association employeuse et que donc on n'a pas pu bénéficier des aides. Alors, j'ai même appelé le numéro 0800, truc chouette là, et effectivement, on m'a dit que non, on ne rentrait pas dans les,
les cadres. Donc ça c'est plus lié à la situation actuelle. Après, notre difficulté à nous, recyclerie, c'est qu'on est petit, qu'on n'a pas l'intention d'être très grand. On sera toujours partant pour partager avec d'autres des locaux. Ça, donc Sean en a parlé, on s'était déjà pas mal rencontrés. Mais on n'a pas non plus, on n'a pas nous vocation à devenir une énorme structure. Moi, je crois plus à la mutualisation des compétences. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai un certain nombre de compétences et il y en a que je n'ai pas. Donc, moi, je suis toujours partante pour aller chercher des compétences que je n'ai pas chez d'autres. Et voilà. Après, ce qui a été un frein pour nous, c'est qu'on n'a pas, je pense qu'on n'est pas assez crédible auprès de ceux qui donnent des subventions. Alors, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le reçois ou je le perçois. Et donc, à chaque fois, nous, on a eu des refus. Donc, j'en ai fait beaucoup de dossiers de demande de subvention, mais vraiment beaucoup. Et à chaque fois, on me dit « Non, mais là, il n'y a pas assez d'inclusion numérique. » Et je ne vois pas en quoi, moi, je peux faire de l'inclusion numérique. Enfin, voilà. En tout cas, ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas notre projet. Donc, à chaque fois… On me répond oui mais là vous n'avez pas assez ci, oui mais là vous n'avez pas assez ça. Donc en fait à chaque fois qu'on a fait une demande de subvention, on m'a répondu sur des choses dont je n'en ai pas parlé, mais parce que c'est pas dans nos compétences à nous, voilà. Et je trouve ça très dommage parce que notre objectif en tant que femme peut-être un peu mûre, mais je l'assume tout à fait, c'était justement d'aller à la recherche des savoir-faire. Au début, lorsqu'on a monté l'association, on s'est aidé, par exemple pour les jeux en bois, on s'est appuyé sur des bénévoles dont c'était la passion. Et ils nous ont transmis cette passion. Et pour les costumes, bon, bah, y a vraiment des passionnés de costumes. Donc on va chercher les compétences, en fait, les gens qui ont un savoir-faire à transmettre. Et je trouve que c'est, enfin moi en tout cas, j'ai pas su m'insérer dans ces demandes de subventions. Personnellement, je n'y arrive pas. Il y a peut-être des gens qui sont très doués pour ça, moi je n'y arrive pas. Voilà, ça a été le principal frein, en fait, c'est que j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Donc, bon, après, il y a des accompagnements, tout ça. Mais là, nous, aujourd'hui, on est vraiment obligés de s'arrêter pour des raisons financières. Donc, après on verra quelle énergie on dépense. Mais je pense que Sean, tu seras beaucoup plus doué que moi, en tout cas, pour mener ce projet à bien. Pour information, vu qu'on parle de mutualisation, tout à l'heure, à 16h, donc il y a l'association Recyclarté, qui est une recyclerie basée en Dail, qui va venir présenter son projet. Et en fait, ils vont surtout présenter ils ont un projet de création d'un pôle d'économie circulaire qui serait plus vers Andail. Et dans cette optique de mutualiser les locaux pour les projets de recyclerie. Claire Dutrio nous en dira plus tout à l'heure, mais c'est l'idée globale. Et il semblerait qu'à Andail, ils aient du foncier de disponible, contrairement à peut-être plus le BAB. Voilà. Alors, Anne, est-ce que vous avez des choses complémentaires à rajouter ? Moi, non, personnellement. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu courte, mais non. Et est-ce que dans les participants, vous avez des questions ? Pour Anne, et sinon on va terminer l'intervention, la réunion, sachant que vous pouvez toujours contacter donc l'association via le Facebook ou l'adresse mail de Récup et Toc de l'Art si vous le souhaitez par la suite. Voilà. Et donc merci à tous. Et alors à 11h, on va accueillir donc Sean qui est là de Konpon Choco Repair Café, qui va nous présenter le projet de café réparation et de recyclerie alternative qui est à Bayonne. Donc pour les gens qui souhaitent assister à la prochaine présentation de projet,
On a une demi-heure de battement entre les deux. Ça sera sur cette même visioconférence. Donc, si vous voulez rester, vous pouvez juste couper votre caméra et couper votre micro le temps de la pause. Et après, revenir donc à 11 h. Voilà. Donc, pour les autres, merci à tous. Et donc, cet après-midi, on a également des trois présentations de projets. Et à 18 h, on a un débat sur les freins et le développement de projets de recyclerie sur le territoire. Et on a la secrétaire d'État qui nous a fait l'honneur d'être présente via une intervention à 18 h pour parler des fonds de réemploi et de recyclerie. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Merci à tous et merci Anne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.